Salut les tubos. Et surtout, salut les coquins et les coquines, parce qu'aujourd'hui, on teste un jeu. Enfin, on teste un jeu, on regarde si ça fonctionne bien sur Steam Deck, c'est Fresh Woman. Un petit jeu coquin, voilà, vite fait, qui montre un petit peu de fesses, un petit peu de sein. On verra pas de choses ultra hard dans cette vidéo, juste des vues un peu plongeantes, des choses comme ça. Mais voilà, donc si vous avez des enfants à côté de vous, quand même, essayez de les écarter, ce serait pas plus mal, voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous montrer un petit peu ce genre de jeu-là aussi, parce qu'on voit de tout, hein. On voit des jeux de voiture, des jeux de combat, des FPS et autres, et je me suis dit, bah, voilà, il faut regarder tout un petit peu sur Steam Deck. Et donc, ça ne demande pas une grosse config, évidemment, vous vous doutez bien. N'empêche, je suis sur 60 et 60, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Dans le jeu en lui-même, bah, vous n'avez pas 50 000 options non plus. Voilà, vous avez le choix de la langue, les choses comme ça. Mais après, en matière de graphisme, il n'y a rien de spécifique. Puisque de toute façon, vous êtes guidé automatiquement. Voilà. Et donc, on va passer tout de suite au jeu en lui-même. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche qui vous permettra de savoir... Dès qu'il y a une nouvelle vidéo de dispo, rien que pour vous, voilà, bah, d'être dessus. On va voir comment ça se passe dans le jeu. Alors, en fait, c'est un jeu très simple. Bon, voilà, ça commence fort. Là, on partage des petites choses sympas. Voilà, c'est cool. Puis, je me réveille. Je viens d'emménager dans cet appartement. Voilà, donc en fait, vous avez... plusieurs petits textes qui s'affichent à l'écran. Et puis, bah, vous devez... parfois, voilà, vous avez des questions, des réponses. Voilà, oui, personnaliser ou non, utiliser le nom par défaut. Voilà, je m'appelle Simon. Voilà, j'ai décidé de m'appeler Simon. Et là, direct, déjà, je regarde un petit peu au niveau de mon voisinage. Ouais, c'est sympa. J'admire la vue. Ce qu'il y a de beau dans le coin. Ouais, voilà, toc, toc. Hein, voilà, donc... C'est ce que je vous ai dit, des vues un petit peu plongeantes. Voilà, des vues un petit peu... Alors, c'est un mélange d'animation et d'images fixes. Les animations sont pour des scènes un peu plus hard, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des scènes hard. Mais vous n'en verrez pas dans cette vidéo. Là, c'est des scènes plutôt coquines. Voilà, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de films, de séries, de... Voilà, ça change pas des masses. Donc voilà, je me suis dit, allez, soyons fous, le grand Miam, il va tout montrer, tout, presque tout, quoi, tout du moins. Voilà, donc en fait, oui, c'est moi, Simon, vous savez, ça me fait un peu penser aux anciens magazines, comme ça, de drague, des trucs comme ça, là. Boum! C'est visible de dire si quelqu'un est sexy, hein, qui a sa voix, ouais. Salut, bien sûr, elle se penche, voilà. Comment tu vas? Ouais, je suis routine. C'est la vibe. Voilà. Et en fait, vous avez une aventure comme ça. Vous suivez l'aventure d'un célibataire qui va faire plusieurs rencontres de plusieurs femmes. Vous allez avoir des choix à faire. Et puis, suivant le choix que vous allez faire, eh bien, vous allez avoir des embranchements différents de l'histoire. Mais c'est toujours sur le même principe de se dire, vous voyez, vous pouvez... tac. La question est sur son mari, sur son nom de famille, mieux vaut ne pas demander, ouais, voilà. Et en fait, ça va dépendre de votre réponse, en fait. La réaction de la nana, parce que généralement, c'est des nanas, sa réaction va être surtout en fonction de vos choix. Donc voilà, c'est parti pour Fresh Woman. Alors, je sais plus combien il y a d'épisodes, je crois qu'il y a 6 épisodes ou 7 épisodes. Et en fait, il y a très peu de développeurs sur le jeu. Je crois qu'ils sont 5 ou 6. Mais ils mettent, notamment à jour le jeu. Voilà. Ah bah tiens, allez hop, on va rencontrer une nouvelle. On fait beaucoup de rencontres. Hein. Voilà. Bon, et puis vous avez vu comment elles sont vraiment horribles. Les meufs qu'on rencontre. Alors, attendre et parler avec la fille ou prendre le bus. Bah attends, je suis pas fou, non? Salut, tu vas bien? Ouais, je suis tranquille. Bon, alors, je rassure les femmes qui regardent aussi cette vidéo, hein, qui jouent au Steam Deck. Bon, le mec, il est quand même beau gosse. Hein.
Voilà, donc vous allez pouvoir profiter de sa musculature et de ses formes, tout autant que ceux qui vont profiter des filles. Mais bon, il y a plus de filles que de bonhommes dedans, faut le dire. Alors peut-être qu'il y aura des mises à jour dans le futur qui vont rajouter des personnages ou des choses comme ça. Bon bref, voilà, vous voyez, il raconte sa vie, ce qui s'est passé avec ses parents. Voilà, ça fait penser vraiment aux magazines de l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore, les magazines aujourd'hui. Si c'est des magazines qui sont... qui parlent d'histoire, d'amour, des choses comme ça. Vous voyez, un petit peu genre amour, gloire et beauté. Voilà, on est un petit peu sur amour, gloire et beauté, hein, en fait, là-dedans. Sauf que, bah, y a du sexe. Voilà, oh, oui, super, ok, d'accord. Voilà, bon, vous pouvez passer. Vous avez différents modes, voilà. Vous pouvez sauvegarder, vous pouvez passer... tout un tas de choses, voilà. Alors là, on va choisir... tiens, on va choisir... on peut choisir, des fois. Vous voyez, alors, je vais aller dans le Bookstore. Pour ne pas dire l'Apple Store. Mais là, c'est le Bookstore. Et... oh ! Bah tiens, une nouvelle rencontre. Alors, je suppose que ça doit être l'été, hein. Parce que... voilà, on peut rencontrer des jeunes filles. Salut, tu vas bien ? Ah, ok, super. Toujours, bien sûr, en la regardant droit dans les yeux. Évidemment. Voilà. Alors par contre, il faut appuyer beaucoup sur le bouton. Hein. Surtout si vous êtes un impatient. Ouh, voilà, hop. Bon. On joue un peu les mateurs. Hein. Prendre le livre, laissez-la prendre. Voilà, comme ça. On peut profiter de la vue. Voilà. Bon, alors là, par contre, je pense qu'il doit être dans une position assez délicate quand même. Hein. C'est bizarre qu'elle s'en aperçoive pas, mais bon. Voilà, donc super, ouais, comment tu vas, c'est génial, je lis les livres, tout ça. On peut faire connaissance, fiction, ouais, non-fiction. Je vais lui dire ce qu'elle veut entendre. Voilà, et il y a un autre gars aussi qui fait partie un petit peu de l'aventure et de l'histoire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un plan à 3? Je vous le dirai pas. Je vous laisserai quand même découvrir le titre si jamais vous êtes intéressé. Mais sachez que voilà, c'est pas le jeu du siècle. Moi, c'est parce que je l'ai eu gratuit, franchement. Mais voilà, j'ai vu un petit peu les scènes que c'était. Ouais, bof, quoi. C'est pour ceux qui sont en chien plus qu'autre chose. Hein. C'est pas. Voilà. C'est pas ouf, ouf. L'histoire, elle est quand même assez rigolote. Voilà. Bon, les filles, elles sont pas désagréables à regarder non plus. Mais disons que, voilà, ça reste un jeu que certains apprécieront, au demeurant. Et puis, d'autres, peut-être un petit peu moins. Et on va finir par le café. Tiens, allez, voilà. Alors, c'est tactile et... hop ! Alors, c'est tactile et en même temps, c'est possible avec le bouton. Voilà, on fait la rencontre d'une serveuse. Bien sûr, évidemment, c'est la serveuse, vous savez, qu'on rencontre dans le bar du coin. Qui danse, évidemment, sans faire attention à qui rentre dans le magasin. Vu quoi, vous voulez dire vos pas de danse, voilà. Et puis, bon, voilà, on fait des rencontres. Alors, bien sûr, elles ont des poumons qui sont énormes. Elles sont galbées comme des... Des stars, voilà, et puis voilà, donc c'est toujours pareil, hein. C'est toujours le même principe, vous dites, vous parlez avec, vous avez des vues qui sont plongeantes, ou presque pas, voilà, si vous aimez bien les jeunes filles, et si les femmes aiment bien les jeunes hommes sympathiques, voilà, et ben, ils aimeront forcément ce jeu, ils vont plonger dans ce jeu, comme dirait l'autre. Bien sûr, elle a de jolis yeux, la dadame. Hein. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle a de jolis yeux. Voilà. Donc, il se souvient. Tac, tac, tac. Voilà, elle est super sympa. Et je voulais vous montrer. Voilà. Hop. Donc, voilà. On va la complimenter sur ses formes. Et puis, on va en rester là. Voilà, donc je vous invite à découvrir ce jeu si vous êtes intéressé. Je ne sais plus à combien il est, il doit être à 6 ou 10 euros, quelque chose comme ça.
Mais bon, sachez que c'est un roman, voilà, c'est un jeu roman, voilà, tout simplement. Donc, ça n'a pas une grosse importance. Il y a des moments où c'est animé, c'est surtout donc les moments un petit peu hard, voilà. Hop, voilà. Donc, on n'a que ça en fait dans le jeu, c'est ça en permanence. Donc bon, on peut en être écœuré, puis on a d'autres qui seront plutôt heureux de voir ce genre de jeu. Ouais, tu bosses, bah on se quitte sur la serveuse. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!